Le mercredi 18 mars 2009, en Angleterre, Claudia Lawrence, une femme de 35 ans, chef cuisinière à l'université de York, dans le North Yorkshire, quitte son domicile, au 46 Haworth Road, pour se rendre à son travail. Ce matin-là, Claudia part à pied de chez elle parce que sa voiture est en réparation. Elle parcourt les 3 km et arrive au Goodricke College University à 5h57 du matin. Quelques heures plus tard, la caméra de vidéosurveillance de l'université enregistre Claudia en train de quitter les lieux à 14h31. Pendant son trajet retour, elle va croiser une collègue qui est en voiture et qui lui propose de la ramener chez elle. À 14h50, Claudia est donc de retour dans sa maison. Et la suite de la journée, eh bien, se déroule normalement. Claudia appelle ses parents aux alentours de 19h. Elle envoie un texto à sa meilleure amie Suzy et se couche à 21h parce que le lendemain, elle doit se lever tôt. Le problème, c'est que plus personne n'entendra parler de Claudia Lawrence. Elle ne se présentera pas à son travail le lendemain, le 19 mars, et son portable est sur messagerie. Alors que s'est-il passé? Lui est-il arrivé quelque chose chez elle? Ou y a-t-il eu un problème pendant son trajet le matin? Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, on va rentrer dans cette disparition très mystérieuse dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais vous dire deux choses. La première chose, c'est merci. Merci pour votre soutien quasiment quotidien, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur les différents réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à me laisser des petits messages. Je sais que vous me regardez d'un peu partout en France et à l'étranger. J'avais posé une question d'ailleurs dans l'onglet communauté il y a quelques jours maintenant, à savoir d'où vous me regardiez, et vous avez été très nombreux à répondre. Il y a Besançon qui revient souvent, la Belgique, l'Irlande, j'ai le Canada, j'ai le Québec qui revient quasiment tout le temps. Donc je salue évidemment tous ceux qui me regardent du Canada. Il y a un truc que je sais dire en québécois, c'est tire-toi une bûche. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je crois que ça veut dire prends une chaise. J'avais appris ça il y a quelques années. Reims, Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire, l'île de la Réunion, Lyon, salut Lyonnais, j'habite en Franche-Comté, Ventimiglia, en Italie, Cherbourg, Bruxelles, Paris, salut les Parisiens, Papété en Tahiti, l'Algérie, salut Fétia, salut Saïd, Casablanca au Maroc, la Belgique qui revient encore, Dortmund en Allemagne, Angers dans le Maine-et-Loire évidemment, très belle ville Angers, Toulouse, à Manosque, dans les Alpes-Haute-Provence, Bruxelles qui revient encore, la Belgique, vous êtes très nombreux. Je t'écoute dans le bush australien. Waouh! Incroyable. L'Ardèche, le 76, Arras, dans le Nord, le Finistère, Brest-Rennes, bref. Vous êtes très nombreux, je ne peux pas tous vous citer. Merci pour vos messages, encore une fois, c'est très important. Voilà, je suis désolé si je ne peux pas dérouler tous les commentaires, mais merci pour tout. La deuxième chose, c'est un bon plan que je voulais vous partager et c'est aussi le sponsor de cette vidéo, c'est l'application Nextory. Je suis vraiment très heureux de collaborer avec eux. Il faut savoir que Nextory, c'est en France la seule application de lecture qui propose tous les formats de lecture, e-books, bandes dessinées, livres audio, séries audio exclusives, des podcasts. Vous avez accès également à la presse, à des magazines. Le catalogue, écoutez bien, compte plus de 250 000 titres. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Vous allez forcément trouver quelque chose qui vous intéresse. Vous téléchargez l'application gratuite, évidemment, sur App Store, sur Google Play. Vous créez un compte et ensuite, eh bien, vous choisissez parmi minimum 3 catégories qui pourraient vous intéresser. Roman, science-fiction, jeunesse, thriller, actualité, recettes, guide de voyage, il y a forcément quelque chose qui va vous intéresser. Et pour éviter que vous soyez un peu perdu, moi je vous ai sélectionné une catégorie qui va forcément vous plaire. Âme sensible, s'abstenir, hein, évidemment, on est d'accord. Vous allez retrouver du Victoria Charlton, du Frank Tillier, du Stephen King, de la série un peu horrifique comme Slasher ou Annabelle. Bref, allez faire un tour sur l'application. Moi par exemple, j'avais lu pendant les vacances d'hiver le livre de Joël Dicker, l'affaire Alaska Sanders, et j'avais très envie de commencer la disparition de Stéphanie Meyer. Je l'ai trouvé sur l'application, donc au lieu d'acheter le livre,
bah, j'ai entamé l'écoute audio de ce roman et je suis plongé dedans. Donc si vous voulez profiter de cette application pendant 45 jours gratuitement, un mois et demi, je vous mets un code promo en barre d'infos et en commentaire épinglé. Franchement, en quelques secondes, vous allez pouvoir profiter des livres audio de l'application. Donc foncez, 45 jours, imaginez un mois et demi gratuit. Franchement, ce serait dommage de passer à côté. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de vous plonger sur l'un des cas de personnes disparues les plus déroutants du Royaume-Uni. Près de 15 ans plus tard, c'est simple, on ne sait toujours pas ce qui a pu arriver à Claudia Lawrence. Même si, vous allez le voir, plusieurs éléments curieux enregistrés par les caméras de vidéosurveillance de la ville laissent tout le monde perplexe. Commençons par présenter Claudia Lawrence. Elle est née le 27 février 1974 à Malton, une ville du comté de Yorkshire qui compte environ 13 000 habitants. Elle a une sœur aînée qui s'appelle Ali et ses parents sont Peter et Joan Lawrence. Peter, le père, est un grand avocat respecté dans la région. Claudia a fait ses études au prestigieux York College, un collège d'enseignement supérieur. Elle a eu une enfance somme toute très heureuse et malgré le divorce de ses parents, bien plus tard, Claudia va rester très proche d'eux. Que ce soit à l'un ou à l'autre, elle leur parle quasiment de tout. De tout sauf peut-être de sa vie amoureuse. Là-dessus, elle est très discrète. C'est une jeune femme sociable, amicale, elle a beaucoup d'amis. Et au fur et à mesure des années, eh bien Claudia va développer une passion pour la cuisine. À tel point qu'elle rejoint une école hôtelière et obtient la qualification, une qualification qu'elle attendait, celle de chef. Ce qui lui permet, vous comprenez, de travailler dans différents restaurants et hôtels à York. Mais ce rythme de travail qui est un rythme particulier et les horaires surtout aléatoires ne lui conviennent plus. Elle a du mal à voir ses amis, elle a du mal à voir ses parents. Alors, elle décide de changer d'établissement pour travailler au Goodrick College de l'université de York. Et encore une fois, Claudia est très appréciée par ses collègues. D'ailleurs, son employeur la décrit comme une jeune femme fiable et toujours à l'heure. En 2007, un an après avoir rejoint ce nouveau poste, un nouveau poste qu'elle affectionne particulièrement, et maintenant qu'elle est un peu plus installée dans sa vie, elle décide de faire une acquisition et d'acheter cette petite maison au 46 Haworth Road, à environ 3 km de son travail. Tout près de sa maison, c'est important, se trouve un pub. Ce pub s'appelle le Nag's Head Pub. Et ce bar, eh bien, Claudia va très souvent le côtoyer. Elle adore sortir, elle adore voir ses amis, elle adore faire la fête. Un bar à deux maisons de chez elle, c'est parfait. Elle avait tellement l'habitude de s'y rendre qu'au bout d'un moment, les gérants la connaissaient plutôt très bien. C'était un peu la reine de la soirée, c'était un petit peu la reine des lieux. Tout le monde aimait la voir ici. D'ailleurs, elle avait un petit rituel, Claudia, quand elle arrivait dans ce bar, elle se dirigeait vers le jukebox et elle mettait à chaque fois la même chanson, Your Song d'Elton John. C'était sa chanson, c'était un petit peu son hymne. Et ça faisait un peu marrer tout le monde. Tout le monde savait que quand Claudia arrivait, on allait devoir écouter cette chanson d'Elton John. Le mercredi 18 mars 2009, Claudia Lawrence se lève un peu plus tôt que d'habitude, aux alentours de 4h45 du matin, parce qu'en fait sa voiture est tombée en panne deux jours plus tôt, elle est au garage et elle doit donc marcher environ 3 km pour se rendre à son travail au Goodrick College et prendre son poste à 6h du matin à l'intérieur du Roger Kirk Center, qui est en fait la plus grande cafétéria de la fac. La caméra de surveillance du Goodrick College University enregistre son arrivée d'ailleurs, regardez, à 5h57 du matin. Claudia termine son travail à 14h ce 18 mars 2009. Le temps de changer ses vêtements de chef, de dire au revoir à ses collègues, elle quitte l'université, regardez, à 14h30. On le sait parce qu'elle est filmée par une caméra de surveillance. Elle prend la direction de sa maison et est une nouvelle fois enregistrée par une caméra de surveillance en train de marcher près d'un magasin situé au 202 Melrose Gate. Il est 14h47. Sur l'image, regardez, on peut y voir un grand cylindre rouge. C'est en fait une boîte aux lettres. Et il y apparaît en fait à ce moment-là que Claudia y glisse une lettre. Ce magasin est situé à 1,2 km de chez elle. Sur cette photo, on peut voir la boîte aux lettres en question
et la caméra de vidéosurveillance en haut. Juste après son passage devant ce magasin, une collègue de Claudia, qui est elle en voiture, la remarque. Elle s'arrête à son niveau et lui propose de la déposer chez elle, c'est sur son trajet. Ce que Claudia accepte. Cette collègue en question affirme avoir déposé Claudia au 46 Haworth Road à 14h50 ce mercredi 18 mars 2009. Le soir de ce mercredi 18 mars, Claudia Lawrence parle au téléphone avec son père Peter et sa mère Joanne. Cette dernière, Joanne donc, explique que Claudia avait l'air totalement détendue et n'a rien remarqué de particulier. Elle sait que sa fille était en train de regarder une émission à la télé parce qu'elle pouvait entendre la télé qui tournait derrière elle. Elles ont parlé brièvement de la fête des mères qui approchait et à la fin de la discussion, Claudia a raccroché en disant qu'elle devait se lever tôt le lendemain pour aller travailler. Et c'est vrai que selon les amis et la famille de Claudia qui ont été interrogés après sa disparition, elle avait l'habitude à chaque fois qu'elle travaillait le lendemain de se coucher aux alentours de 21h. Claudia envoie un dernier SMS depuis son téléphone portable à 20h23. Ce SMS est destiné à sa meilleure amie, Suzy Cooper. Voici ce qu'elle lui dit. Elle lui propose dans ce message de boire un verre le lendemain au Nag's Head Pub, comme d'habitude, parce que le vendredi, elle est en repos. Et le dernier message que Claudia va recevoir sur son téléphone portable provient d'un employé de bar situé à Chypre à 21h12. Petite parenthèse, on ne sait pas si ce message en question a été lu par Claudia parce que, après ça, Claudia ne donnera plus aucune nouvelle. Parce que le jeudi 19 mars 2009, Claudia ne se présente pas au Goodrick College. D'ailleurs, elle ne viendra pas du tout de la journée. Ses collègues ne la verront pas et Claudia ne préviendra personne. Et le jeudi soir, souvenez-vous, Claudia était censée retrouver son amie Suzy Cooper au Nag's Head Pub. Claudia ne viendra pas. Elle va attendre, elle va lui envoyer des SMS, elle va essayer aussi de l'appeler, mais elle tombera directement sur sa messagerie. Elle se dit alors qu'elle s'est peut-être endormie, c'est vrai que finalement elle a commencé tôt, et que sa batterie est sûrement à plat. Le matin du vendredi 20 mars 2009, Suzy essaie de recontacter Claudia sur son téléphone portable. Mais même constat que la veille. Là, ça commence à l'inquiéter sérieusement, et c'est pour ça qu'elle prévient Peter, le père de Claudia. C'est lui qui appelle au travail de sa fille, et c'est à ce moment-là qu'on lui apprend que Claudia n'a pas pris son poste le jeudi 19 mars 2009 et qu'elle n'a donné aucune raison. Peter décide alors de prévenir la police du Yorkshire. Il se rend au bar en question, il fait connaissance avec le patron et avec le patron qui s'appelle George Foreman, il décide d'entrer dans l'appartement de Claudia parce que lui a les doubles des clés. Et c'est ce qu'il va déclarer à la presse à ce moment-là quand il rentre dans la maison. Peter a un mauvais pressentiment. Il explique qu'il a l'impression qu'il va retrouver Claudia inanimée au sol chez elle. Mais ce ne sera pas le cas parce que personne ne se trouve dans la maison. Aucune trace de Claudia. Tout est normal dans cette maison, mais d'une normalité inquiétante. Les chaussons sont près de la porte, son sac à main avec de l'argent, avec son permis de conduire et sa carte bleue se trouve sur son lit. Le lit est bien fait, les bijoux sont sur la commode, la vaisselle du petit déjeuner est dans l'évier. Des bouteilles et des gants de teinture pour cheveux sont retrouvés, mais rien de significatif. Les seules choses qui manquent à ce moment-là sont son téléphone portable Samsung, son fer à lisser et son sac à dos, un sac à dos qu'elle avait l'habitude de prendre avec elle, dans lequel se trouve son uniforme de travail. Un sac à dos d'ailleurs qu'on n'a à ce jour jamais retrouvé. Quand les policiers arrivent sur place, la première réflexion qu'ils se font, c'est que Claudia, apparemment, est partie travailler normalement ce 19 mars. Claudia est signalée comme personne disparue. Le dimanche 22 mars 2009, une conférence de presse concernant cette étrange disparition est organisée. Et le lundi 23 mars 2009, le visage de Claudia apparaît à la une des journaux. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre avant de continuer sur cette disparition. Il faut bien comprendre qu'étant donné l'absence d'indices de violence dans la maison et le fait que Claudia soit majeure et considérée comme non vulnérable par les policiers, c'est simple, les policiers, au tout départ, ne vont pas tout donner dans cette disparition. Ils ont toujours cette impression que Claudia est peut-être partie de façon volontaire. Elle avait peut-être envie de faire une pause et elle va revenir. Surtout que dans cette région du Yorkshire, chaque année, ce sont plus de 3000 personnes qui disparaissent et quasiment la totalité réapparaissent quelques jours plus tard. Ce n'est que 5 semaines plus tard que le cas de Claudia est reclassé en meurtre présumé, même si aucun corps n'est retrouvé. À ce moment-là, la police va fouiller plus de 270 maisons. On va inspecter les dortoirs des étudiants à l'université dans laquelle elle travaillait,
Des témoins potentiels sont interrogés. La police reçoit près de 900 témoignages. Et parmi ces témoignages, deux vont intéresser les enquêteurs. Le premier témoin, écoutez bien, affirme avoir vu une femme ressemblant à Claudia parler avec un homme tout près de Melrose Gate au petit matin du 19 mars 2009. Cet homme, selon ce témoin, était de taille moyenne, il portait un pantalon foncé, un sweat à capuche et il fumait une cigarette avec sa main gauche. Et ce témoin oculaire va un peu plus loin, il déclare que l'homme et la femme étaient postés près de la sous-station électrique du pont de Melrose Gate vers 5h35 du matin, ce qui pourrait correspondre. Et souvenez-vous, la caméra de vidéosurveillance qui a capturé Claudia en train de rentrer le 18 mars sur cette avenue n'est pas très loin du pont de Melrose Gate. Et si elle avait suivi le même chemin, cette caméra aurait dû enregistrer le passage de Claudia dans l'autre sens ce 19 mars au matin. C'est son trajet habituel. Le problème, c'est que sur les images enregistrées ce matin-là, on ne voit que trois personnes passant sous la caméra à proximité des magasins et de la fameuse boîte aux lettres. Les policiers n'ont jamais pu confirmer que parmi ces trois personnes qui passent à des minutes différentes, il y avait Claudia. Mais si on s'arrête un instant sur l'une des trois personnes que l'on voit qui passe devant cette caméra, on s'aperçoit qu'il y a cet homme portant un sweat à capuche sur la tête et fumant une cigarette de la main gauche. Le deuxième témoin affirme lui avoir vu aux alentours de 6h10 du matin un homme et une femme en train de se disputer à côté d'un véhicule garé sur le trajet de l'université dont la porte côté passager était ouverte. L'homme avec qui la jeune femme se disputait, portait un sweat à capuche relevé sur sa tête et un pantalon sombre. Ce qui ressemble, vous le voyez, à l'homme vu par le premier témoin, mais à deux horaires différents. Les détectives commencent à être persuadés que s'il est arrivé quelque chose à Claudia, c'était dans la nuit, entre le moment où elle se couche et le moment où elle se rend à son travail. Et donc, très certainement, en allant au travail. D'autant plus que je vous l'ai dit, on ne retrouve aucune trace de sang, aucune effraction, aucune preuve de lutte dans la maison. Les experts sont certains qu'il ne s'est rien passé à l'intérieur de la maison. Ces deux témoignages sont pris au sérieux par les policiers. Et ils sont pris au sérieux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les deux témoins ne se connaissent absolument pas. Et la description de l'homme au sweat à capuche est identique. Et les deux témoins ne connaissent pas non plus les habitudes de parcours de Claudia. Or, ils affirment l'avoir vue sur le trajet de l'université, là où elle devait effectivement se rendre. Et dernière chose, les deux témoins expliquent que la jeune femme qu'ils ont vue ce matin-là avait les cheveux bruns. Or, sur tous les avis de recherche, la photo de Claudia qui est mise en avant est une photo où on la voit en blonde. Sauf que, souvenez-vous, on a retrouvé chez elle des gants et des produits de teinture qui font penser qu'elle venait de se foncer les cheveux. D'ailleurs, les témoignages de ses amis et de ses collègues montrent que la couleur naturelle de Claudia est le brun et que depuis quelques jours, elle avait effectivement les cheveux foncés. En septembre 2009, la recherche de Claudia s'étend à 3 500 km de là, à Chypre. Selon l'enquête menée, tout porte à croire que Claudia connaissait plusieurs personnes qui vivent sur l'île. D'ailleurs, Claudia s'y était rendue il y a quelques mois. Et peut-être que durant son séjour, elle avait reçu des offres d'emploi. L'enquêteur de l'époque, qui avait pour nom Galloway, a déclaré que certaines personnes qui avaient été interrogées dans le cadre de l'enquête s'étaient montrées réticentes et prudentes lorsqu'on leur avait parlé de Claudia. D'ailleurs, une équipe d'officiers s'était rendue à l'époque à Chypre pour interroger des personnes que Claudia avait rencontrées lors de son séjour. Et il a aussi été rapporté que le dernier message reçu par Claudia Lawrence provenait d'un homme, justement, qui se trouvait sur l'île. Ça avait été vérifié, le SMS avait bel et bien été envoyé de Chypre. Justement, le téléphone portable Samsung de Claudia a été analysé. Et on apprend, écoutez bien, que le directeur de l'université a appelé Claudia une fois à 10h le jeudi 19 mars, vous le savez, pour connaître la raison de son absence, mais sans succès. Lorsque cet appel a été passé, le téléphone de Claudia a borné, et il a borné à proximité de l'université. Donc, et son téléphone a, semble-t-il, été intentionnellement éteint à midi le 19 mars 2009. Ses journaux d'appel ont été rigoureusement analysés, ainsi que ses messages SMS. Rien de concret de ce côté-là. Ses comptes bancaires ont eux aussi été passés au peigne fin. Aucun signe de difficultés financières ni de transactions douteuses avant ou après sa disparition.
Vous le voyez, à ce moment-là, on n'en sait pas plus. Les mois vont passer, rien de nouveau, on tourne en rond. Mais les enquêteurs ne vont pas rester sans rien faire. Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, eh bien, ils regroupent toutes les images de vidéosurveillance de la ville pour essayer d'obtenir des indices. Le premier indice, d'ailleurs, ne va pas arriver d'une caméra de surveillance de la ville, mais d'une caméra embarquée dans un bus de la ville, qui circule chaque jour dans la zone où vit Claudia. Et d'ailleurs, il passe devant chez elle. Et justement, le soir du 18 mars 2009, quand on analyse ces images, on s'aperçoit qu'à 21h01, on voit une Ford Focus blanche garée devant la maison de Claudia. Et ce n'est pas tout, parce que quasiment en même temps, les forces de l'ordre repèrent sur des images, ce coup-ci provenant d'une caméra de vidéosurveillance de la ville de York, une berline blanche ou argentée freinant brusquement devant la maison de Claudia à 5h42 le matin du 19 mars 2009. Cette même voiture, qui est d'ailleurs signalée par des riverains comme ayant un comportement suspect une semaine plus tard, le 25 mars, et que l'on revoit passer sur l'avenue. Petite parenthèse intéressante, écoutez bien. Un youtubeur s'est arrêté justement sur cette image. Et dans son analyse, lui, il pense que la voiture que l'on voit freiner devant la maison de Claudia le 19 mars à 5h42 et celle vue le 25 mars ressemble à celle qui est arrêtée lorsque Claudia passe, souvenez-vous, sur Melrose Gate, devant les magasins et devant la boîte aux lettres. Et en zoomant, selon lui, on peut y apercevoir un homme à l'intérieur en train de regarder Claudia passer. Mais ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là. En mars 2015, 6 ans après la disparition de Claudia, les forces de l'ordre publient une vidéo d'un homme marchant sur le côté de la maison de Claudia, puis entrant dans l'allée derrière la maison dans la soirée du 18 mars 2009, vers 19h15. Il repasse dans l'autre sens, 1 minute et 8 secondes plus tard. Une autre image est publiée dans le même temps, du même homme, marchant sur le côté de la maison de Claudia, puis entrant dans l'allée derrière sa maison aux petites heures du matin du 19 mars 2009 à 5h07 précisément, pour repasser là encore dans l'autre sens, 49 secondes plus tard. Pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute, c'est le même homme sur les deux images. Mais ces deux allers-retours sont très étranges. Si c'est le même homme, pourquoi le voit-on la veille passer dans cette petite ruelle et revenir dans l'autre sens 1 minute et 8 secondes plus tard? Le laps de temps est très court. Et pourquoi surtout on le revoit pareil le lendemain matin, aux petites heures, faire exactement la même chose? Pour que vous puissiez comprendre comment était placée la maison de Claudia par rapport à la configuration du quartier, je vous emmène sur Street View. Regardez, la rue en question est située à quelques mètres de la maison de Claudia. La caméra se situe dans cette zone. On pense en fait qu'il est entré dans cette allée. Et en prenant une vue aérienne de la zone, on s'aperçoit que l'homme en question a très bien pu essayer de rentrer par l'arrière, ce qui lui aurait permis d'atteindre la maison de Claudia. Je dis bien essayer parce qu'il repasse 1 minute plus tard, on comprend qu'en fait il n'a pas le temps d'accéder à l'arrière de la maison. Les questions qui se posent à ce moment-là, c'est: est-ce le même homme la veille et le matin? Pour les enquêteurs, oui, même taille, même démarche, même vêtements. Alors pourquoi revient-il rapidement sur ses pas à 19h15 le 18 mars et à 5h07 le 19 mars? Les horaires correspondent au moment où Claudia était au téléphone avec sa mère et le moment où à 5h07 elle était censée être debout pour se préparer. Et dans tous les cas, dans l'attitude de l'homme en question, tout laisse à penser qu'il n'était pas serein. Notamment sur l'image du 18 mars, regardez, il s'arrête quelques secondes. Et en fait, il s'arrête au moment où une personne traverse la rue devant lui.
est-ce que cet homme ne voulait pas que l'on voie son visage? L'identité de cet homme reste à ce jour inconnue. Je vais vous laisser les 5 minutes dans l'ordre chronologique de tout ce qu'il s'est passé depuis ce 18 mars 2009. Et ce qui a été filmé et rendu public donc par la police pour que vous puissiez vous rendre compte et que vous puissiez avoir la chronologie des faits depuis la disparition de Claudia, c'est-à-dire du moment où on la voit se rendre à l'université, jusqu'à tous les éléments que je vous ai exposés précédemment, c'est-à-dire la voiture que l'on voit freiner, cet homme que l'on voit passer, etc. Vous allez mieux comprendre.
En 2013, une unité spéciale de la police scientifique décide d'effectuer de nouvelles recherches médico-légales au domicile de Claudia Lawrence et dans les environs, en utilisant, vous l'imaginez bien, des technologies qui n'existaient pas en 2009. Et lors de ces recherches, ils vont trouver, figurez-vous, des empreintes digitales supplémentaires aux premières trouvailles. Et un ADN sera même retrouvé sur un mégot de cigarette que l'on avait retrouvé à l'époque dans la voiture de Claudia. Cet ADN appartient à un homme. Le 13 mai 2014, un homme est enfin arrêté. Il s'agit de Michael Snelling. C'est un homme de 59 ans qui possède une maison, écoutez bien, à quelques centaines de mètres de celle de Claudia Lawrence et qui travaillait au département de biologie de l'université de York. Le domicile du suspect et sa voiture, une Ford Focus bleue, ont été perquisitionnés et son jardin a été fouillé. Et ce qui a orienté les enquêteurs vers la piste de cet homme, c'est cette vidéo qui montre ce mystérieux véhicule identifié comme une Ford Focus stationné, souvenez-vous, à l'extérieur de la maison de Claudia la veille de sa disparition. Et d'après les voisins, cet homme avait une habitude. Son habitude, c'était de se rendre après le travail au bar, le bar que fréquentait Claudia Lawrence. Mais après les différents témoignages, après les différentes analyses, notamment ADN, cet homme ne sera pas inquiété. Son ADN, par exemple, ne correspond pas à l'ADN trouvé sur le mégot de cigarette qu'on avait retrouvé à l'époque dans la voiture de Claudia. Donc Michael Snelling n'est plus inquiété. La question que les policiers se posent, c'est: Claudia a-t-elle croisé la route d'un serial killer? Pour les autorités policières, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce qu'ils admettent qu'il y a des similitudes avec les cas de Melanie Hall et de Joanna Yates, deux autres jeunes femmes britanniques blondes qui ont disparu respectivement en 1996 et en 2010. Même si, et c'est ce qu'ils expliquent, ils n'ont pas de preuves directes pour relier la disparition de Claudia et ces deux cas. À la fin de l'année 2010, un corps est découvert dans la région. À ce moment-là, la famille se demande si on ne vient pas de retrouver le corps de Claudia. Mais cette victime est identifiée et il s'agit de Joanna Yates, justement, disparue en 2010. Dans son livre, paru en 2017, qui s'appelle « Attraper un tueur en série, ma chasse au meurtrier » Christopher Halliwell, le journaliste d'investigation Tim Hicks suggère, aux côtés de Stephen Fulcher, l'enquêteur principal dans l'enquête sur le meurtre de Sian O'Callaghan, qu'il existe des similitudes entre les cas de Claudia et de Sian. D'ailleurs, un témoin se serait manifesté pour dire qu'il avait vu Claudia parler à un homme correspondant à la description du meurtrier de Sian, Christopher Halliwell. En 2018, ce journaliste d'investigation en question, Tim Hicks, accompagné de l'officier de renseignement de la police à la retraite Chris Clark, ont suggéré tout simplement que le meurtre de Claudia, puisque sa disparition a été requalifiée en meurtre, était conforme à celui de Sian, le même mode opératoire, et Chris Halliwell avait une bonne connaissance des villes du Nord, et c'était un habitué de la région. Parce que le corps de Sian O'Callaghan a été retrouvé suite aux aveux de Chris Halliwell, des aveux qui ont été arrachés par l'enquêteur de l'époque. En fait, les deux fumaient une cigarette, l'enquêteur fumait sa cigarette aux côtés de Chris Halliwell, il était sur le point d'abandonner, Chris Halliwell ne disait rien, et voyant justement qu'il ne parlait pas, il lui a dit que s'il ne coopérait pas, la presse pourrait être sans pitié avec lui. Et c'est à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, qu'il a craqué, que Chris Halliwell a craqué, et qu'il a mené les policiers au corps de Sian O'Callaghan. Mais une fois arrivé sur place, une fois le corps découvert, Chris Halliwell va poser une question très étrange à l'enquêteur. Il va lui demander « Est-ce que vous voulez voir un autre corps ?» En fait, à ce moment-là, Chris Halliwell avoue un autre meurtre. Ils se sont donc rendus sur place sur les indications de Chris Halliwell et effectivement, ils ont trouvé le corps de Becky Godden, une travailleuse du sexe âgée de 20 ans, qui était portée disparue depuis 2003. Personne ne savait qu'elle était décédée. Vous comprenez qu'en avouant un deuxième meurtre, bien plus tard, suite à une disparition, on se demande et les enquêteurs se demandent si Claudia Lawrence n'a pas croisé la route de Chris Halliwell. Et certains enquêteurs, certains spécialistes, certains youtubeurs également qui mènent leur enquête se disent que sur les images de cet homme que l'on voit passer
est repassé la veille et le 19 mars. Il y a une ressemblance, même si c'est très loin, on ne peut pas affirmer, mais il y a une ressemblance physique avec Chris Halliwell. Aujourd'hui, on n'a pas les réponses à ces questions. On ne sait pas si l'auteur du meurtre, du rapt et du meurtre de Claudia Lawrence, c'est Chris Halliwell. Il n'y a aucun aveu. Il est évidemment en prison en ce moment, mais il n'a rien dit concernant cette affaire. Et surtout, aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé le corps de Claudia Lawrence. Le père de Claudia Lawrence, Peter, décédera en février 2021 sans savoir évidemment ce qui est arrivé à sa fille. Pendant des années, il avait fait campagne pour obtenir des réponses sur la disparition, plaidant également pour ce qui est devenu aujourd'hui le projet de loi sur la tutelle des personnes disparues, également connue sous le nom de loi Claudia, qui permet en fait aux proches de prendre le contrôle des affaires financières de leurs proches disparus. Nous sommes aujourd'hui en 2023, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 15 ans après la disparition de Claudia Lawrence, on n'a toujours aucune réponse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je serais ravi d'avoir évidemment vos commentaires, vos théories concernant cette affaire. N'hésitez pas dans les commentaires, également sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, c'est important. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.